Hola, bienvenido en mi huerto. Me llamo Julie et à partir de là, je vais parler en français parce que c'est plus facile pour moi. Même si j'ai eu l'occasion de venir très souvent en Espagne, avec beaucoup de plaisir, d'y tourner une émission, de voyager avec mes enfants, mon espagnol n'est pas terrible. Alors, je préfère vous dire en français à quel point je suis heureuse que mon livre soit publié en Espagne, c'est le premier. Et je vais avoir beaucoup de plaisir à venir en Espagne pour rencontrer l'éditeur, les libraires et surtout le public. Et puis goûter à nouveau la cuisine espagnole que j'aime tant, qui, à l'image de la cuisine française, est très variée, très généreuse et très symbolique de chaque terroir. Il y a vraiment une cuisine de région et qui raconte à chaque fois l'histoire. Et c'est ce qui m'intéresse dans la cuisine. C'est ce que j'ai tenté de transmettre à travers le livre. Ce sont des recettes de tous les jours, certaines pour des moments un peu plus exceptionnels. Mais ce sont des recettes qui sont universelles, que vous pourrez faire même sans être français. Et qui sont vraiment les recettes que je fais pour ma famille, mes amis. Et beaucoup de recettes ont été inspirées par mes voyages des carnets de Julie. Et toujours avec le souci de valoriser les légumes du potager, les petits producteurs, la polyculture élevage, plutôt que la culture intensive. Voilà, c'est mon engagement. Il vaut pour la France comme il vaut pour l'Espagne. J'espère que cette façon de cuisiner sera aussi la vôtre et que vous allez puiser des idées comme je viens piocher les petits pois dans mon potager. Y hasta luego para descubrir las recetas de Julie.